arrive une fois de nouveau. Alors, doucement. Alors, doucement. Start fighting to our 10. I start fighting. Where was your name before? I don't know my name. C'est des choses qu'il faut montrer, qu'on n'a pas envie de voir, qui sont montrées parfois aux actualités, mais de façon finalement pas vraiment dans le vif. Quoi. On voit, on survoit les images, c'est des news, et puis bon, ça ne nous affecte pas vraiment. Et je pense que là, le rôle de la fiction, du cinéma, c'était un moment aussi de partager cette violence de la guerre, d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, pourquoi, et d'essayer de la combattre surtout. Quoi. Maybe you come through here, me tell no you. No arm is allowed to enter here. We cannot allow. No one to enter this place with arm. No, I can't leave my weapon. You have to leave your weapon if you my want to enter this place. My weapon is my mother and my father. So I just told you, no arm is allowed in here. Chaque fois que j'ai fait un film, j'ai toujours rêvé, même pour mon premier film, qui était un film, une comédie, avec Les Métis, j'ai toujours rêvé de pas de faire la couverture des magazines de cinéma, mais de faire la couverture des magazines d'information. C'est-à-dire que ce soit que les sujets... que le film soit assez réussi pour pouvoir lever le problème sur le sujet, pas sur le film en lui-même. Et pour moi, c'est toujours une victoire de pouvoir sortir du contexte cinéma pour pouvoir rentrer dans le social et rentrer dans le quotidien des gens. Voilà. Moi, le film, je ne voulais pas le situer quelque part en Afrique. Ça, je ne voulais pas que ça soit au Liberia en 2003, mais c'est quelque part en Afrique. Et aujourd'hui, ça se passe au Kivu. Et donc, c'est vraiment un sujet, on va dire, d'actualité. Et je crois que c'est important... que le film permette cette réflexion sur le sujet. Quoi. You know what's on my neck? This is my protection. The bullet can be passing. They can't touch me. They make me invisible. The thing on my back here. The bullet can't touch me on my back. Ouais, c'est un accompagnement qui se fait d'une manière générale, et puis la fierté que ces membres-là vont avoir à voir ça, à se voir représenté comme ça d'une manière humaine. C'est pas des... Encore une fois, c'est un film très très humain qui est basé sur l'être humain. Donc quand ils vont voir qu'on les considère comme des êtres humains et pas comme juste des pions ou des serial killers ou des cibles, hein, donc. Je pense que ça va être très gratifiant pour eux et j'espère gratifiant pour les autres enfants qui ont aussi subi ça et qui maintenant, au Liberia, vous savez, quand un môme a 20 ans, il a vécu 12 ans de guerre. Donc il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il ait un moyen d'avoir une échelle de valeur de ce qu'est la vie, quoi, de ce que la vie peut lui offrir à part 10 ans de guerre. Quand on est conditionné à ça pendant de 0 à 10, 15 ans, comment vous voulez... Après, reprendre contact avec la vie, il faut avoir des opportunités. Et ces mômes-là, ils ont une opportunité. Quoi. Madame Sirleaf Johnson est la présidente du Liberia, qui est une des, la seule femme présidente en Afrique, a pris des positions très, très, très... stricte et très forte, c'est elle qui nous a permis d'aller tourner ce film là-bas. Parce qu'ils ont besoin de communiquer aussi sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils sont devenus et sur ce qu'ils vont devenir. Donc je pense que oui, à travers ce genre de... ce côté volontaire d'un gouvernement de vouloir parler de ces problèmes et de vouloir l'extérioriser, ça amène forcément des résultats positifs puisque ça fait réfléchir les gens. Bah, je vais déjà essayer avec celui-là de finaliser la fondation qu'on a mis en place, la fondation de Johnny Madog au Liberia. Donc je vais retourner au Liberia après avec les enfants et qu'on arrive vraiment à bien organiser cette fondation et qu'on arrive à la développer et que le film nous serve à développer cette fondation de Johnny Madog. Avec l'aide de la présidente, l'aide peut-être du ministère des Affaires étrangères et après là on est dans recherche de financement, un peu de fonds pour développer cette fondation. Quoi. Allez, prenez le moment. Et on va finir de tenir le pied pour moi. Quand tu as posé ça, nos goûts vont tenir le pied. Yeah! 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 Et va fucking faire une erreur. Il va tenir le pied. Il va faire. Go! Fuck off! You go! Faut pas penser que c'est Liberia. On n'est pas responsable de tout ça. C'est-à-dire que si à un moment il y a ces guerres, je pense qu'on peut se poser des questions aussi, nous, par rapport à notre propre culpabilité et notre implication dans ces conflits.